Good afternoon in Miami. This is Dr. John Bennett broadcasting for Neurosurgical TV. We have another Surgical Club of the Congo in French. So this is the last English you're going to hear for a bit. So let me introduce Dr. Lukuya, who is going to moderate and be speaking French. Bonjour, Lukuya. Bonjour. Okay. Bonsoir à tous et bienvenue encore à nos sessions des traumas. Aujourd'hui, comme nous avons annoncé que nous allons continuer avec notre série ainsi la neurochirurgie, la prise en charge des traumatisés graves en neurochirurgie. Et comme nous avons déjà introduit l'autre fois d'autres présentateurs qui ont aussi succinctement parlé de certains aspects de la gestion des traumatismes crâniens. On a commencé avec la pathophysiologie, déjà avec Dr. Kabolo, et puis on a eu d'autres modérateurs aussi qui ont parlé d'autres aspects. Aujourd'hui, nous allons encore revenir avec Dr. Patten Safari, qui va continuer avec un autre aspect dans la prise en charge. Comme nous avons dit aussi au départ, c'était un moyen pour nous d'échanger nos idées, nos expériences, et peut-être aussi innover là où c'est possible. Et sans plus tarder, nous allons appeler encore une fois le présentateur du jour, Dr. Safari. Il est basé à Bukavu. Il va encore une fois parler d'un sujet très intéressant que nous avons déjà commencé. Il va prendre un aspect que nous allons, après discussion, inviter nos panélistes qui vont aussi venir contribuer. Nous avons trois panélistes encore au jour. Nous allons confirmer leur attendance comme après la présentation. Docteur Safari, bienvenue encore une fois. Karibu. Oui, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons Docteur Safari qui va présenter. Docteur Safari, êtes-vous déjà en ligne? Okay, Docteur Bennett. Oh, yes. Yeah, for a moment, I don't see Docteur Safari among the participants, probably has left temporarily. Okay. You want to go to another speaker or? So, no, we just are going to remind everyone. I thought he was out in the, maybe he's in the waiting room. I don't know. Okay, let me check, maybe. Yeah, maybe he's in the waiting room and then. No, okay. What's the name again? Safari Patel. No, we don't have anybody yet. There, wait, someone just came in. Aline and Mac. I don't know if that's one of the two. Yeah, it's that. It's Mac? Yeah. Oh, okay. Hello, Mac. Oh. Safari. Mac dropped out there. Just be patient. We'll get it going. Et sans plus tarder, nous allons encore essayer d'introduire nos panélistes au jour. Jusqu'alors, nous avons confirmé la présence des docteurs Diemerci Kabolo qui est déjà présentement dans la salle. Et nous espérons aussi avoir la participation des docteurs Mutombo Sara. Elle va aussi nous joindre. Et j'ai vu docteur Sincial avec les. Je crois que c'est lui qui est logged in avec Surgical Club in Congo. Je crois que c'est lui. Et puis, c'est bien moi. OK, j'ai cherché le nom, mais je sais que souvent vous entrez avec ce nom-là. Et nous aurons potentiellement aussi, nous allons inviter d'autres neurosujets qui sont dans la salle et même nos amis qui sont
formulaire, en particulier Dr Saïd qui est le bienvenu. Bonjour, Dr Saïd. Bonjour. OK. Dr Paterne, vous êtes là? Dr Safari? OK, toujours en attente de Dr Safari, nous allons encore appeler Dr Saïd de nous donner peut-être une brève introduction, comme il est notre spécial guest aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de nous, un tout petit peu de vous, pour que nous soyons déjà dans l'attente de vous écouter? Merci beaucoup. D'accord. Dr Saïd, vous avez la parole. Oui, donc je présente, voilà. Bonsoir à tout le monde. Je suis neurochirurgien de l'île de la Réunion. Ça fait à peu près 25 ans que je suis à la Réunion. Donc c'est une île qui est située entre Madagascar et Mauritius et l'île Maurice. On a un territoire en fait qui regroupe, c'est-à-dire notre activité au service de neurochirurgie, correspond à l'île de la Réunion, mais également toute la région, donc l'autre département français qui est Mayotte. On a beaucoup de malades qui viennent des Comores, de Madagascar, quelques malades de Maurice, parce que le problème c'est aussi le... au niveau prix, coût de prix d'une prise en charge, par exemple d'un traumatisme crânien, il revient très cher, ça coûte énormément cher, c'est le problème. On essaie de créer des coopérations avec les îles. Malheureusement, il y a toujours des lenteurs. Je sais que quand j'étais chef de pôle des sciences neurologiques, chef de service de neurochirurgie, donc on a essayé de créer des coopérations avec ces îles pour avoir une prise en charge, que ce soit au niveau pathologie vasculaire, tumorale, pédiatrique, etc., le moins cher possible. Mais on n'arrive finalement pas à avoir une réelle coopération, malheureusement. On a une population d'environ 1,5 million avec 5 neurochirurgiens, 4 seniors et un assistant. On a régulièrement des internes qui viennent de métropole, c'est-à-dire de France, qui sont souvent des internes en fin de formation, des assistants. On est actuellement CHU, on est le dernier CHU de la France. On assure également l'enseignement. Concernant la prise en charge pathologique, comme j'ai dit, du fait de l'éloignement de la métropole à 10 000 km, on est obligé de faire toute la chirurgie. C'est-à-dire, on opère le patient qui vient de naître jusqu'au vieux. On fait de la pathologie tumorale, on fait de la pathologie vasculaire, on fait de la chirurgie anévrismale. On est généraliste, mais également spécialiste avec chirurgie hypophysaire. Donc, on fait de la chirurgie hypophysaire ces derniers temps. Donc, on a switché pour l'endoscopie. On a un scanner péropératoire qu'on vient d'acquérir il n'y a pas longtemps. On a le CHU 2 IRM 3 Tesla. Dans chaque ce service, il y a des IRM 1.5 Tesla. Concernant la neurochirurgie, on a un département de neuro-réanimation spécialisé pour la prise en charge des patients. C'est-à-dire, ce n'est pas un service qui dépend de la neurochirurgie. On a créé justement, on a fait cette coupure pour qu'il y ait un service autonome qui puisse avoir un financement complet pour prendre en charge de façon efficace tous les patients neurochirurgicaux. On a également une réanimation neuropédiatrique spécifique spécialisée pour les patients, les enfants, que ce soit le patient néonatal ou de grands enfants.
Et là également, on fait donc toute la pathologie tumorale, chirurgicale, vasculaire, traumatologique, etc. etc. Voilà, donc c'est une activité qui est importante. Un service de neuro-réanimation qui est très, très développé et on fait beaucoup de recherches avec de grands neuro-réanimateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réanimation, quelques réanimateurs qui viennent se former, mais on a vraiment des sur-spécialisations en neuro-réanimation. C'est-à-dire que c'est de la haute voltige, on va dire, avec tous les systèmes de monitorage actuels. D'ailleurs, donc, je n'étais pas au courant, donc, malheureusement, je me suis pris un peu tard parce que je suis en vacances à Paris actuellement. Mais sinon, on aurait pu inviter nos collègues neuro-réanimateurs qui sont très passionnés et font beaucoup d'études sur la traumatologie crânienne. La seule différence qu'on a actuellement, c'est que depuis que je suis arrivé à environ 25 ans, on avait énormément de traumatismes crâniens, mais avec les moyens de... Je m'excuse, docteur Saïd. Oui. Quand vous avez déjà commencé à introduire quelques notions des neurocrâniens, j'aimerais que vous puissiez réserver ces commentaires après la présentation. D'accord. Et puis, ça sera encore enrichi. Vraiment, nous sommes contents d'écouter cela. J'ai toujours cru que la réunion, c'était... En fait, c'était un tombe ou dôme, ce que je ne sais pas. C'est, où est-ce qu'on met la réunion? Donc, c'est un département dôme. Dôme. Un dôme. Oh, OK. C'est voilà. Pas vraiment l'Afrique, c'est la France. Non, c'est la France, oui. OK. OK, docteur Safari, merci. Nous vous invitons pour commencer la présentation. Oui, je vous remercie, docteur Lekuya. Yes. Je salue tous les participants à ce cours. Et il m'a été demandé donc de présenter un topo sur la prise en charge médicale des traumatismes crânio-encéphaliques, puisque ma collègue Dr Sarah pourra parler plus tard de la prise en charge chirurgicale. Ça sera à une autre occasion. J'espère que ma voix n'est pas entrecoupée, je l'espère. Docteur, non, pas du tout. 5-6-5. Oh, c'est bon, très bien, merci. Alors, donc, on va commencer. Vous pouvez... j'aurais besoin de compléments, bien sûr, de réanimateurs. Hein. Je vois déjà le médecin réanimateur qui est en France, qui est... Docteur. Voilà. Il pourra me compléter. Alors, je commence déjà par cette introduction. Pardon, excusez-moi, donc je ne suis pas neuro-réanimateur, je suis neurochirurgien. Non, ce n'est pas... Il y a un autre médecin réanimateur qui est en ligne. Docteur Nsiala. Docteur Nsiala, voilà. Okay, c'est mon aîné. Voilà, Docteur Nsiala qui est en ligne, qui pourra me compléter. Voilà. Ok, enchanté. Donc, moi, je vais aborder quelques aspects médicaux. Et pour ce qui est de la réanimation, je me ferai compléter par lui. Donc, okay. D'entrée, on peut dire que le traumatisme crânio-encéphalique entraîne un désordre circulatoire ainsi qu'un désordre métabolique. Et cela se manifeste beaucoup plus dans les traumas crânio-encéphaliques graves. Ce qui peut entraîner un effondrement de l'état de conscience des patients avec un mauvais pronostic fonctionnel et qui peut aussi engager les pronostics vitaux. Alors, on va voir qu'il y a pas mal de mécanismes physico-chimiques qui entrent en ligne de compte dans les traumas crânio-encéphaliques et qui n'ont pas de traitement malheureusement. Cependant, il faut optimaliser les paramètres hémodynamiques ainsi que métaboliques pour entraîner une bonne restauration des fonctions cérébrales. Alors, je vais diviser ma présentation en deux parties majeures. D'abord, la prise en charge des traumas crânio-encéphaliques bénins. Et après, nous parlerons des traumas crânio-encéphaliques graves. Alors, les traumatismes crânio-encéphaliques bénins, ou ces traumas sont dits simples ou bénins, si le patient ne présente pas des troubles de la conscience, avec donc un Glasgow à 15 à l'admission, et le patient signale avoir perdu connaissance sur le lieu de l'accident. La perte de connaissance, elle peut être brève, de quelques secondes, ou un peu plus allongée, plusieurs minutes,
Mais à l'arrivée aux urgences, le malade est conscient. Et cliniquement, ce que nous devons rechercher chez ces malades, je ne vais plus refaire la partie clinique qui a été très bien faite par Dr Kaboulo, mais je vais quand même briefer un peu avant de passer à la prise en charge. Et donc, cliniquement, le malade, il faut rechercher d'abord les circonstances de l'accident, le mode de vie du patient ainsi que son âge. J'insiste sur certaines notions, notamment l'alcoolisme, puisque nous savons que cela peut entraîner une atrophie cérébrale chez des patients alcooliques, et l'atrophie cérébrale peut occasionner ou bien peut faciliter la formation des hématomes sous-duraux beaucoup plus. Alors, donc, il faut avoir ces notions-là. Il faut rechercher la notion de perte de connaissance ainsi que la durée de cette perte de connaissance, les crises convulsives qui peuvent apparaître lors de l'accident, ainsi que les signes d'amnésie circonstancielle, beaucoup plus des amnésies entérogrades. Alors, le malade nous arrive aux urgences avec un état de conscience qui est normal. Il peut signaler parfois des céphalées. Il faut rechercher s'il n'y a pas de lésions du cuir chevelu. Et les lésions du cuir chevelu, nous devons le signaler que chez les enfants, ils sont graves puisqu'ils peuvent entraîner une anémie et le malade peut perdre, disons, le capital sanguin chez l'enfant. Nous savons qu'il est faible et donc c'est quand même assez grave. Alors, l'examen neurologique complet nous permettra donc de mettre en évidence l'état de conscience qui est normal et cela permet donc d'assurer notre prise en charge. Là, c'est juste une image d'un enfant qui avait présenté une plaie discale lors d'un éboulement dans notre région et il est conscient. Donc, ça constitue un trauma crânio céphalique bénin malgré la lésion du scalp, mais comme je viens de le dire, chez les enfants, il faut être regardant par rapport au capital sanguin. Alors, on peut réaliser un scanner pour un TC bénin pour certaines raisons, notamment chez les patients âgés, comme nous l'avions dit avant, l'âge qui peut être associé à l'alcoolisme entraîne une atrophie cérébrale et cela peut entraîner, donc peut faciliter la formation des hématomes intracrâniens. Alors, d'autres facteurs ou d'autres éléments qui peuvent nous amener à faire le scan, c'est une persistance de céphalées et de vomissements chez le malade qui est conscient, ou de troubles de mémoire, ou si le malade est sous traitement anticoagulant ou antiagrégat plaquettaire, mais également un déficit neurologique qui s'installe progressivement ou associé aux crises convulsives. Alors, n'oublions pas d'associer le balayage du rachis cervical. Comme nous le savons, le traumatisme crânien est associé au trauma de la cervicale à 10 à 15% des cas. Alors, la prise en charge chez ces malades nécessite, bien qu'ils soient conscients, on doit avoir une voie veineuse de bon calibre. On doit explorer la plaie du scalp, s'il y en a. Cela se fait sous anesthésie générale, l'anesthésie locale, sauf chez les enfants qui sont très agités où on peut être amené à faire une petite sédation. Cette exploration s'est faite au stylet pour rechercher s'il n'y a pas une fracture au niveau de la voûte du crâne. Alors, après, on peut suturer les plaies après étanage à la bétadine. Donc, on fait carrément un petit débutement. Alors, pour ce qui est de la prise en charge médicamenteuse, ces malades doivent d'abord être surveillés et nous recommandons une surveillance de 24 heures aux urgences chez l'adulte. Et dans ces cas, on surveille l'état de conscience, l'évolution de céphalée. On surveille également s'il n'y a pas de notion de vomissement ou de vertige qui se prononce. Et chez les enfants, nous pouvons aller jusqu'à 48 heures de surveillance aux urgences. À cela, on associe des traitements antalgiques, notamment les paracétamol. On peut être antalgique palier 1 ou de palier 2. Souvent, on associe les deux, donc palier 1 et palier 2. Et l'antibioprophylaxie est indiquée seulement si on a une plaie du cuir chevelu. S'il n'y a pas de plaie, s'il n'y a pas de lésion cutanée, il n'y a pas de raison de faire une antibiothérapie, une antibioprophylaxie. Chez nous, on le fait pendant 3 jours, donc une mono-antibioprophylaxie pendant 3 jours. Alors, les quelques complications qu'on peut avoir dans le cas des traumas crânio-encéphaliques bénins, c'est soit
un syndrome subjectif du traumatisé crânien, qu'on appelle encore le syndrome post-commotionnel. Et ici, le malade va continuer à présenter des céphalées, parfois des troubles de sommeil ou des troubles d'équilibre. Et il y a des cas où le malade peut présenter des troubles psychiatriques, un trouble de comportement. Et chez la personne âgée, il faut toujours craindre la formation plus tard d'un hématome sous-dural chronique, vu l'atrophie cérébrale qui s'installe chez ces personnes. Alors, nous allons parler un peu de quelques lésions de la voûte et de la base du crâne. Ici, nous parlons des lésions, donc des fractures de la voûte. Alors, ces fractures peuvent être linéaires, et dans ces cas, ça se voit dans les traumatismes à haute énergie. Ça peut intéresser l'enfant. Et chez l'enfant, comme nous savons, on a un cerveau qui est en pleine croissance. Et si cette fracture se passe au niveau des sutures, ce qui entraîne une diastasis, ça peut favoriser la formation des fractures évolutives. Je ne vais pas parler de la prise en charge des fractures évolutives sur le plan chirurgical, puisque, comme je l'ai dit, Dr Sarah pourra en parler plus tard. Et sur cette image, on voit bien une disjonction des sutures, notamment la suture métopique, mais également on peut avoir une disjonction de la suture sagittale ou carrément de la suture coronale. Et donc, plus tard, l'enfant peut développer une fracture évolutive. Alors, on peut aussi retrouver des hématomes du scalp ou carrément des plaies crânio-cutanées. Alors, l'imagerie cérébrale permet de localiser la fracture. Parfois, nous savons très bien que le scanner cérébral, c'est l'examen indiqué, mais on peut être amené à faire une radiographie du crâne si on n'a pas accès au scanner dans certaines régions. Et dans ce cas, on fait une radiographie tangentielle pour rechercher ces foyers de fracture. Alors, le traitement est conservateur dans les fractures linéaires, donc les fractures qui ne sont pas embarrées ou ne sont pas complexes. Et ici, on situe la plaie du cuir chevelu. On peut faire une antibioprophylaxie comme nous l'avions dit avant. Et j'insiste sur la notion de ne pas ponctionner les hématomes du cuir chevelu, puisque cela peut entraîner une infection. Souvent, il suffit de mettre un bonnet d'Hippocrate et cela peut permettre à ce qu'après une semaine, l'hématome puisse totalement se résorber. Et si l'hématome est de gros volume, dans ces cas, on peut être amené à le ponctionner, vider, mais de manière stérile, donc dans des conditions vraiment stériles pour éviter une surinfection de l'hématome. Alors, pour ce qui est des fractures embarrées, nous disons que ces fractures sont causées par des objets de petite taille et à haute énergie. Alors, sur le plan épidémiologique, on peut avoir une lésion durmérienne qui est associée dans 30% des cas. Cette fracture, elle est communitive dans environ 80% des cas. Et là où je voulais insister, c'est les risques d'épilepsie que les fractures embarrées peuvent entraîner. Et c'est de l'ordre de 15%. Donc, du coup, ce n'est pas anodin d'avoir une fracture embarrée. Comme sur cette image, nous retrouvons, là, c'est une radiographie du crâne où on voit sur une radiographie de face, une fracture embarrée au niveau de la région pariétale gauche. Et là, on a une fracture embarrée chez l'enfant, un enfoncement, ce qu'on appelle une fracture en balle de ping-pong. Et ici, le traitement est chirurgical, associé donc à une prise en charge médicale. Et dans la prise en charge médicale, on fait un traitement prophylactique anticommissial pendant une semaine, donc pour prévenir l'épilepsie. L'antibioprophylaxie n'est pas indiquée, sauf si on a une lésion de sinus, notamment les sinus ethmoïdaux, frontaux, maxillaires, et on y associe également des antalgiques. Donc, s'il n'y a pas de lésion de sinus, une fracture embarrée ne justifie pas une antibioprophylaxie. Donc, nous devons limiter la prescription des antibiotiques. Alors, parlons un peu des fractures de la base du crâne, sans pour autant beaucoup nous atteler sur les aspects cliniques, mais plutôt les aspects thérapeutiques. Alors, la base du crâne avec ses trois étages, on peut avoir des fractures à tous ces étages-là, antérieur, moyen, postérieur. Excusez-moi.
Alors, pour ce qui est de l'étage antérieur, docteur Kaboulou en avait suffisamment parlé, avec cliniquement ces signes de racon, le racon eyes, où les malades présentent des ecchymoses en lunettes, ou ça peut être aussi en monocle. Alors, il y a des signes d'anosmie, il y a une rhinorrhée qui peut se présenter, ou une rhinorragie. Alors, si le scanner cérébral, l'image pathognomonique, c'est la persistance d'une pneumocéphalie qui est souvent associée à des hémosinus au niveau maxillaire, au niveau ethmoïdaux, donc au niveau des sinus ethmoïdaux, mais également au niveau frontal. On peut aussi avoir des hémosinus au niveau mastoïdien. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, c'est très important puisque ces fractures des étages de la base du crâne peuvent entraîner des méningites puisque nous avons une communication entre les sinus aériques de la face avec la boîte crânienne. Et donc, c'est une porte d'entrée des infections ORL beaucoup plus. Et donc, l'antibioprophylaxie est justifiée. On commence par une mono-antibioprophylaxie associée, bien sûr, aux antalgiques. Alors, ici, le malade est surveillé et on surveille l'état de conscience, mais également la persistance des écoulements au niveau nasal comme au niveau auriculaire. Alors, nous disons que si l'état de conscience est la présence de la paralysie faciale ou une mydriase homolatérale se prononce, il faut faire un scanner cérébral pour exclure un hématome collecté en intracrânien, puisque la mydriase en soi ne peut pas forcément être due à une atteinte du toit, ce qu'on peut voir aussi dans certains cas, mais il faut penser beaucoup plus à un hématome collecté en intracrânien qui entraîne un engagement cérébral et qui peut expliquer donc cet état de conscience, donc cette mydriase avec altération d'état de conscience. Alors ici, le scanner est fait avec des coupes fines de l'ordre de 1 à 2 mm pour rechercher, pas forcément ou pas seulement la pneumocéphalie, mais également les brèches ostéoméningées, puisque avec des scanners de coupe assez distantes, 3 mm ou 4, on n'arrive pas à bien visualiser ces lésions de fracture avec brèche ostéoméningée. Mais également, on peut faire les dosages de bêta-2 transférine pour rechercher, pour être sûr que vraiment c'est du LCR qui coule et que ce n'est pas juste du sang. Donc, il y a toute la clinique qui a été développée avec les signes d'Allo. On ne va pas y revenir, mais j'insiste là sur le scanner cérébral. Alors, si réellement le malade présente un écoulement du LCR, donc il présente une brèche ostéoméningée, là, on passe à une double antibioprophylaxie et nous avons l'habitude d'associer un C3G, donc la ceftriaxone, avec la gentamicine, où on peut faire l'association ampicilline et gentamicine, puisqu'ici, on évite les risques de développer la méningite. Alors, à cela s'ajoutent les risques, disons les mesures pour baisser la pression intracrânienne. Et ces mesures, le malade est mis en position tête surélevée à 30 degrés, repos strict au lit. Il faut éviter que les malades puissent déambuler dans la salle. Il faut éviter les efforts de toux et de défécation. Et dans ces cas, le malade est mis sous un traitement antitussif, mais également un laxatif. On peut donner aussi un antiémétique. Alors, à cela, on associe des diurétiques, notamment les diurétiques, l'acétazolamide, donc les Diamox. Et si toutes ces mesures ne permettent pas ou ne facilitent pas la fermeture de la brèche ostéoméningée, on peut être amené à faire des ponctions lombaires soustractives pour diminuer la pression du liquide céphalo-rachidien. Et c'est seulement si toutes ces mesures ne donnent pas de bons résultats qu'on peut être amené à faire la chirurgie pour rechercher la brèche ostéoméningée et aller colmater, soit avec un patch de Durmer, soit avec un patch musculaire, où on utilise souvent la galéa ou les muscles,
ou on peut aussi utiliser la colle biologique associée donc, au patch galéal pour fermer cette brèche. Mais ça, c'est la chirurgie qui sera développée ailleurs, comme nous l'avions dit. Nous pouvons ajouter à ce traitement médical une restriction hydrique. Donc, il faut que le malade puisse prendre le minimum de liquide possible. Chez l'adulte, c'est entre 1 litre et 1 litre et demi par voie orale. Et chez l'enfant, on peut aller jusqu'à 75% des besoins quotidiens. À part la ponction lombaire, comme nous l'avions dit, il faut toujours associer une vaccination antipneumocoxique pour éviter donc la méningite par diffusion ou fusion des germes du sphère ORL. Alors, donc, si échec de traitement médical, donc là, on fait la chirurgie. Alors, parlons de lésions axonales diffuses qui sortent du cas des TC bénins, mais là, nous sommes dans des TC qui sont souvent graves. Alors, ces lésions axonales diffuses sont souvent secondaires à l'arrachement ou au cisaillement des fibres nerveuses au niveau de la substance blanche. Alors, ces lésions se développent chez des patients qui ont connu des traumas crâno-céphaliques à haute énergie et souvent, il y a des forces de cisaillement qui entraînent une rupture axonale et ça se passe souvent dans des zones, donc à la jonction entre des zones de force et des zones de faiblesse, comme au niveau du corps calleux ou au niveau du mésencéphale. Nous les retrouvons dans environ 30 à 50% des cas de trauma crânio-céphalique grave. Alors, la clinique et les pathognomoniques, ce sont des malades qui, à la phase aiguë, présentent un coma profond. Alors, il y a une légère baisse. La pression intracrânienne est relativement moins élevée. Donc, on n'a pas une pression à 25 ou à plus de 25 mm de mercure pour les malades qui ont un coma profond. Souvent, ce sont des malades qui présentent un état végétatif avec un Glasgow très bas, autour de 6 à, ou 3 sur 15. Et les malades peuvent présenter également des troubles neuropsychologiques. Alors, à l'imagerie, pour le cas des lésions axonales diffuses, on a très peu de lésions cérébrales. Parfois, ce sont des petits foyers de PTCH au scanner. Et parfois, le scanner est normal. Et ce n'est qu'à l'IRM qu'on peut retrouver des foyers d'hyposignal qui sont associés à des hypersignaux. Et cela sur quelques séquences comme la séquence TD ou en séquence FLAIR. Alors, la tractographie peut être réalisée. Et là, on cherche à vérifier le trajet des voies longues, donc les voies ascendantes et les voies descendantes. Et sur certaines images, on peut voir qu'il y a carrément une rupture. Vous avez sur l'écran deux images. À gauche, on a une tractographie qui est normale, donc une bonne suite ou une continuité normale des fibres. Et à droite, on trouve qu'on a une rupture de fibres. Et c'est ce qui se passe donc dans les lésions axonales diffuses. C'est comme une interruption du courant qui est due à la coupure des câbles. Alors, le traitement est souvent difficile et décevant. Pourquoi nous le disons? Puisque cet état végétatif peut durer longtemps, malgré toutes les mesures médicamenteuses qui sont mises en jeu. Et ici, il faut lutter beaucoup plus contre les axos, donc les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Et nous les connaissons, c'est l'hyperthermie, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, l'hypotension artérielle ou l'hypertension artérielle, l'anémie et l'hypocapnie. Et toutes ces lésions donc, peuvent aggraver l'état initial du malade qui présente des lésions axonales diffuses. Alors, l'évolution, comme nous l'avions dit, elle est souvent décevante puisque ce sont des malades qui vont garder des séquelles assez importantes dans environ 60% des cas. Et il y a des malades qui gardent l'état végétatif dans 3/4 des cas. Alors, il y a une dépendance physique et psychique ainsi que des séquelles psychomotrices, comme on peut le voir sur cette image de ce malade qui est assisté mais qui est dans un état assez critique et donc qui perd pratiquement tout contact avec le milieu extérieur. Et souvent, dans nos milieux, le taux de décès est assez important puisque le malade
n'arrive pas à avoir une réanimation assez rigoureuse. Voilà. Maintenant, parlons très rapidement des traumas crâno-céphaliques graves que nous définissons comme tout trauma crâno-céphalique avec état de coma, d'installation d'emblée ou immédiate s'il est le traumatisme. Et, pardon, les malades présentent souvent un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 sur 15. Alors, ici, c'est une association des lésions, notamment les lésions primaires lors de l'accident, qui peuvent être dues à un trauma direct ou indirect. Quand nous parlons de traumatisme indirect, ce sont les lésions d'inertie, ça veut dire d'accélération et de décélération. Les lésions directes, c'est la lésion qui est due à l'impact, c'est un coup reçu au niveau de la tête et qui entraîne directement une lésion. Alors, les lésions secondaires qui peuvent découler de ces lésions primaires, c'est d'abord des lésions locales, c'est l'acidose lactique, des cascades inflammatoires, mais également le vasospasme. Nous avons également des lésions systémiques que nous avons abrégées par AXOS et nous venons d'en parler. Mais maintenant, dans la prise en charge, on va parler de manière systématique de ces lésions d'AXOS et comment les prévenir pour éviter que les traumatismes crâno-céphaliques graves puissent avoir un très mauvais pronostic. Voilà. Alors, si je peux me permettre de faire un petit rappel physiopathologique de ces traumatismes graves, nous avons d'abord ces lésions directes, donc les lésions primaires qui peuvent être directes ou indirectes, j'en ai parlé, mais également les lésions secondaires qui peuvent être locales ou générales. Alors, pour ce qui est des lésions primaires, on peut retrouver directement des plaies discales, des plaies crânio-cérébrales, des fractures du crâne, des blessures ostéoméningées et d'autres lésions comme les hématomes extradiraux ou hématomes sous-diraux aigus. Mais pour ce qui est des lésions indirectes, ce sont les effets d'inertie qui peuvent entraîner des contusions contralatérales, ce qu'on appelle des lésions de contre-coup. Nous pouvons aussi avoir des lésions axonales diffuses ainsi que des hémorragies, des failles hémorragiques diffuses. Alors, les lésions secondaires, nous avons des lésions locales, donc nous avions parlé de l'acidose, les cascades inflammatoires, la présence des radicaux libres, les vasospasmes qui va entraîner une ischémie ou aggraver l'ischémie. Et de l'autre côté, nous avons les lésions systémiques, c'est l'anémie, l'hypoxémie, l'hypo ou l'hyperglycémie, l'hypotension qui peut entraîner un état de choc et l'hypertension également. Alors, toutes ces lésions vont donc entraîner des lésions secondaires au niveau cérébral et qui sont délétères. Alors, gardons en tête ou bien à l'esprit que nous devons toujours avoir une bonne pression de perfusion cérébrale pour éviter des lésions secondaires. Et donc, une bonne pression de perfusion cérébrale est beaucoup plus, selon notre formule, est beaucoup plus, comment dirais-je, assurée par une bonne pression artérielle moyenne. Donc, si la pression artérielle moyenne est basse et qu'à cause du traumatisme, nous avons une augmentation assez importante de la pression intracrânienne, cela va entraîner une diminution de la pression des perfusions cérébrales et donc ça va accentuer l'ischémie cérébrale ainsi que l'édème cérébral. Alors, le but de la prise en charge de ces AXOS est double. Nous avons d'abord, donc, nous devons les prévenir, mais également, on doit assurer un traitement spécifique des AXOS en contrôlant l'hypertension intracrânienne, mais également prévenir l'ischémie en augmentant la pression des perfusions cérébrales. Alors, selon une étude qui a été faite en 1993, nous avons sur ce diagramme les différents taux de mortalité qui sont liés aux AXOS et nous trouvons que la mortalité est assez élevée lorsque nous avons une hypotension qui est associée à une hypoxémie. Alors, parlons du traitement des AXOS et là, nous allons insister beaucoup plus sur les mesures générales et après, nous parlerons à la fin de quelques mesures spécifiques. Alors, pour ce qui est des mesures générales,
Le malade qui nous arrive dans un tableau de trauma crânio-encéphalique grave doit bénéficier d'abord d'une bonne voie veineuse, donc d'une voie veineuse de gros calibre. Et au besoin, on peut avoir des voies veineuses de gros calibre, une sonde nasogastrique, le masque à oxygène, une sonde urinaire et un bon monitorage de la pression, de la saturation en oxygène, de la pression partielle en oxygène, de la diurèse. Nous devons maintenir un état hémodynamique stable et il faut également avoir un capteur de la pression intracrânienne. Malheureusement, dans nos conditions, on a très peu de centres qui peuvent assurer tout cela. Et donc, le capteur intracrânien, nous savons qu'il peut être placé soit au niveau de l'espace extradural ou en sous-dural ou en intraparachémateux. Et cela suppose qu'on a un capteur, donc les cathéters pour la mise en place de la pression intracrânienne, mais également un moniteur pour la mensuration de la PIC. Alors, pour ce qui est toujours de ces mesures générales, la ventilation doit assurer une bonne oxygénation. Donc, on doit avoir une capnie qui est normale, puisque l'hypercapnie entraîne une vasodilatation et la vasodilatation entraîne une extravasation du liquide intravasculaire vers le milieu extracellulaire. Et dans ces cas, ça va entraîner, donc la vasodilatation va accentuer l'édème cérébral chez ces patients, alors que l'hypocapnie va entraîner une vasoconstriction. Et donc, nous devons rechercher une normocapnie qui doit être située entre 32 et 35 mm de mercure. Nous devons rechercher également, donc nous devons avoir une pression partielle en oxygène qui doit être autour de 95%. Normalement, la pression ne doit pas être en dessous, donc la saturation d'oxygène doit être au-delà de 95%. Une saturation en dessous de 92% va accentuer l'édème cérébral puisque il y aura une hypoxie et vu qu'il y a une résistance vasculaire cérébrale qui est due à l'hypertension intracrânienne, donc le malade va présenter un tableau de, donc l'ischémie va s'accentuer par l'hypoxie cérébrale. Alors, l'anémie, chez les malades traumatisés crâniens graves, nous devons assurer un taux d'hémoglobine qui est supérieur à 9 grammes. Ici, ce n'est pas question de chercher s'il y a des signes de décompensation de son anémie, mais nous savons que l'oxygène sera donc porté par l'hémoglobine. Et donc, si on a une baisse du taux d'hémoglobine, ça va entraîner une diminution d'apport en oxygène. Et la diminution d'apport en oxygène va entraîner un métabolisme anaérobie avec la production de l'acide lactique. Et cela va entraîner une vasodilatation et une augmentation du débit sanguin cérébral, ce qui va accentuer donc le tableau initial. Alors, toujours dans les mesures générales, le malade qui est aux soins intensifs ou en réanimation, il ne doit pas avoir la tête tournée d'un côté, donc en rotation, ni en hyperextension du cou ou en position déclive, mais par contre, il faut assurer une élévation de la tête à environ 30 degrés. Et donc, la tête doit être surélevée par rapport au plan donc, au niveau cardiaque d'environ 30 degrés pour permettre un bon retour veineux. Alors, pour ce qui est de la température, nous savons que l'augmentation de la température, une hyperthermie ou une fièvre, va entraîner une augmentation du métabolisme de base. Ça va entraîner donc une augmentation de la consommation en oxygène, mais également une augmentation de la pression partielle en COD. Et l'hypothermie, pour ce genre de patients, est plutôt protectrice ou bien permet de diminuer le métabolisme de base, mais également, sur le plan expérimental, on a trouvé que l'hypothermie peut entraîner une réduction de production du liquide céphalo-rachidien d'environ 11%. Et donc, ça va diminuer le volume intracrânien et diminuer ainsi la pression intracrânienne. Voilà. Donc, nous devons maintenir
si possible, une hypothermie entre 34 et 36 degrés Celsius pendant 24 à 48 heures. Alors, pour ce qui est de la sédation, nous savons que la sédation va diminuer également la consommation en oxygène. Et donc, le malade sera sédaté avec une bonne analgésie et cela permet également de prévenir la commissialité. Donc, les crises convulsives peuvent survenir plus tard. Le producteur Safari. Oui. Est-ce qu'on peut chuter dans 3-5 minutes, s'il vous plaît? Oui, je pense que je me reste quelques 2 ou 3 diapos. Donc, on sera dans les temps. Oui. Donc, ici, on utilise le midazolam ou les morphiniques. Les morphiniques sont associés au midazolam. Par contre, les curares sont souvent interdits puisque après, ça peut rendre difficile le réveil. Mais je l'ai dit, sous contrôle de l'anesthésiste réanimateur qui pourra nous donner plus de précision. Alors, il faudra quand même qu'à un certain moment, au moins chaque 24 à 48 heures, arrêter la sédation pour essayer de réveiller le malade et voir s'il présente des signes de réveil ou pas. Alors, il faut également assurer l'équilibre hydroélectrolytique. Et dans ce cas, nous devons signaler que la restriction hydrique est de règle. Le malade chez l'adulte, nous avions dit, 1 à 1,5 litres. Et ici, il faut éviter des solutions hypo-osmolaires. Puisque les solutions comme les sérums glucosés, 5%, que nous avons l'habitude d'utiliser, ou le linger lactate, sont hyposmolaires. Et dans ces cas, ça peut accentuer l'édème cérébral. Ce qui est plus recommandé, ce sont les solutions isotoniques ou hypertoniques. Et ici, nous conseillons les sérums physiologiques 0,9%. Alors, on peut donner parfois des sérums physiologiques à 3%. Pour diminuer également l'édème cérébral si on n'a pas accès au mannitol, puisque nous allons en parler. Alors, donc, toujours dans ces mesures générales, il faut maintenir la volémie, il faut éviter donc l'hypovolémie qui peut être due à des pertes sanguines ou à une polyurie, il faut utiliser les macromolécules ou l'albumine, la transfusion est faite en cas de pertes sanguines et il faut assurer un remplissage vasculaire adéquat. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais peut-être passer à quelques mesures spécifiques. Alors, les mesures spécifiques sont guidées par certains facteurs, notamment la pression artérielle moyenne, la pression intracrânienne et la saturation. Et ici, les objectifs, c'est d'avoir une pression intracrânienne qui est inférieure à 25 mm de mercure. Nous savons que la pression normale et autour de 7 à 15 mm de mercure, mais au-delà de 25 mm de mercure, cela peut entraîner donc des lésions d'ischémie et nous devons assurer une pression de perfusion cérébrale qui est suffisante. Alors, pour cela, le mannitol peut être donné et nous savons que le mannitol qui est un diurétique permet de diminuer donc, de baisser la pression intracrânienne. Et cela est donné à une dose de 0,25 g à 1 g par kilo de poids. On a toujours une dose d'attaque qui est de 1 g par kilo de poids. Et après, on peut assurer l'entretien avec 0,5 à 0,25 g par kilo de poids, 4 fois par jour. Et il ne faut pas oublier qu'il faut toujours compenser les pertes hydriques, puisque le mannitol étant un diurétique, agit au niveau cérébral, mais également au niveau vasculaire systémique. Et donc, il faut compenser les pertes qui sont dues à cette polyurie. Alors, d'autres mesures, c'est l'éthiopétal qui peut être donné comme hypnotique barbiturique, avec comme effet d'assurer une vasoconstriction et donc de diminuer la pression intracrânienne, mais également diminuer la pression artérielle moyenne. Et dans ce cas, c'est diminution de la pression artérielle moyenne qui peut entraîner une diminution de la périphérie cérébrale doit être prévenue en donnant des amines vasoactives.
je vais citer directement en disant que pour ce qui est de l'évolution, l'évolution des traumas crâno-céphaliques graves est défavorable. Donc, on a un taux de décès très élevé en absence d'un traitement efficace. Et dans ce cas, ce sont les malades qui n'émergent pas sur le plan de la conscience. Mais l'évolution peut être favorable si la pression intracrânienne est contrôlée, si il y a une diminution progressive en besoins médicamenteux, mais également si l'éveil est progressif, un Glasgow qui était à 4 et qui progressivement, dans les jours qui suivent, arrive jusqu'à 8, à 10. Et dans ces cas, on sait que le malade est en train d'émerger. En conclusion, nous pouvons dire que les traumas crânio-encéphaliques graves, pour leur prise en charge, on doit prévenir les lésions ischémiques secondaires et cela peut améliorer les pronostics. Alors, le traitement doit être associé à un monitoring qui est assez poussé et donc le besoin de doter nos centres des monitorages pour ce qui est des traumatisés crâniens et cela peut donc entraîner une réduction de la mortalité. Je pense avoir chuté. Il y aura peut-être des questions par rapport, donc des questions de précision et des compléments que j'attends des médecins réanimateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Safari, pour cette excellente présentation sur la prise en charge des traumatisés crâniens. Nous avons encore une fois enrichi notre connaissance en cette matière. Sans plus tarder, je vais donner la parole aux panélistes qui sont déjà là. Je vous ai tous retrouvés. Nous avons le docteur Ensial là, qui va commencer les commentaires. Je crois qu'on va essayer d'équilibrer les temps. On pourra donner 5 minutes à chacun. Et puis, il sera suivi du docteur Sarah Mouton qui va aussi donner quelques commentaires. Et à la fin, nous aurons le docteur Kaboulo qui va aussi donner quelques commentaires. Et nous aurons peut-être encore une fois à réécouter le docteur Saïd comme il est encore avec nous pour quelques commentaires si possible. Et en même temps, nous allons prendre aussi quelques commentaires de certains invités spéciaux que nous avons. Docteur Padou, je crois, qui doit... Ok, je retrouve encore les noms. Je ne sais pas s'il est déjà in. Je vais vous informer. Et en même temps, aussi, nous pouvons aussi laisser nos questions dans les chats du groupe pour que les présentateurs puissent se préparer à répondre, si possible aussi, les panélistes. Docteur Katumba, oui, je crois que Docteur Katumba, je vois, il va aussi donner un mot. Et j'invite les panélistes à contribuer, Docteur Ciala. Nous vous invitons et surtout, aidez-nous à rester dans les 5 minutes, il faut du temps parce qu'on a un peu commencé en retard. Merci. Merci. Je commence par remercier le docteur Safari pour la clarté de son exposé. Tout a été dit. J'ai bien aimé le rappel de la physiopathologie du traumatisme crânien, car la prise en charge en découle. Par contre, j'aimerais schématiser un peu tout ce qu'il a dit. Très brièvement, les lésions cérébrales initiales et les lésions secondaires faisant suite à ces lésions initiales ont comme conséquence une augmentation de la pression intracrânienne, il a dit, c'est le principe de Moreau. L'augmentation de la pression intracrânienne va entraîner la chute de la perfusion, de la pression de perfusion cérébrale, et le risque, c'est l'ischémie cérébrale. Alors, le cerveau, face à cette chute de la pression de perfusion cérébrale, va agir par une vasodilatation. La vasodilatation va augmenter le volume sanguin cérébral qui va encore augmenter la pression intracrânienne. C'est
la cascade délétère des rogniers. Et donc, le but de la neuro-réanimation consiste à rompre ce cercle vicieux. Ce qu'il a dit, le but, c'est de prévenir l'ischémie secondaire, l'ischémie cérébrale secondaire à l'hypertension intracrânienne. Alors, il ne faut pas oublier que tout traumatisé crânien est un polytraumatisé, parce que l'association entre traumatisme crânien et polytraumatisme est fréquente. 50% des traumatisés crâniens, ou même plus, sont des polytraumatisés. Dans les registres congolais, c'est encore plus, on est à plus de 60%. Tout ça pour dire que la prise en charge du traumatisé crânien est superposable à celui du polytraumatisme. Et pour ne rien oublier, moi j'ai toujours l'habitude de prendre la séquence ABCDE de l'ATS. Donc, au point A, il faut libérer les voies aériennes, immobiliser le rachis cervical, ça tout le monde le sait. C'est un mastique spécifique, c'est plutôt au point B, c'est la prise en charge respiratoire, où il faut protéger les voies respiratoires par une intubation. Moi, je parle que de traumatisés graves, c'est-à-dire ceux qui ont un Glasgow coma scale inférieur ou égal à 8. Ce sont des patients qu'il faut absolument intuber pour protéger les voies respiratoires, sinon ils vont faire des inhalations, et pour bien oxygéner. Alors, les réglages du paramètre respiratoire, Dr Safari l'a dit, il faut bien sûr viser la normocapnie et surtout une SpO2 normale, comme l'a dit, supérieure ou égale à 94%. Au point C, c'est la prise en charge hémodynamique. Donc, il faut éviter l'hypotension qui fait partie des axos parce que ça va diminuer la pression artérielle moyenne. Donc, il va diminuer la pression de perfusion cérébrale et maintenir cette pression artérielle moyenne autour de 80 mm de mercure en l'absence du monitorage de la pression intracrânienne. Ben, si vous avez le monitorage de la pression intracrânienne, il faudra maintenir au moins une pression autour de 60 à 70 mm de mercure. Alors, pour prévenir la pression de perfusion cérébrale sur le plan hémodynamique, qu'est-ce que nous avons comme moyen? C'est d'abord le remplissage vasculaire avec du sérum physiologique. Docteur Safari a dit pourquoi. Et surtout, les recours précoces à des agents vasoconstricteurs si le remplissage seul ne suffit pas. Donc, nous, dans notre réanimation, tant qu'on n'a pas encore mis une pression intracrânienne, on fait tout pour avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 80. Cela signifie que parfois, on tient un patient qui a 11,6 de moyenne avec 70 mm de mercure de moyenne. Ces patients, on leur met sous des catécholamines pour avoir 80 tant qu'on n'a pas encore monitoré la pression intracrânienne. Alors, au point D, c'est le traitement de la détresse neurologique. J'ai déjà parlé de l'intubation si le Glasgow est inférieur à 9. La sédation analgésie, docteur Parter l'a dit aussi, permet de diminuer la consommation, en oxygène du cerveau. En général, on utilise des benzodiazépines, midazolam ou des morphiniques sur fentanyl. Mais depuis quelques années, la kétamine est revenue comme une alternative intéressante parce qu'il permet de maintenir un état hémodynamique stable. Les midazolam, on le sait, que ce soit en continu ou même en bolus, fait baisser la pression artérielle, ce qui est délétère chez ces patients. Alors, très important, il a dit aussi, si vous avez une midriase unilatérale ou bilatérale, il faut absolument faire du mannitol. Ou à défaut du mannitol, un sérum salé hypertonique. Et enfin, dans la prise en charge, il faut prévenir et traiter les axos.
contrôler la glycémie par une insulinothérapie, contrôler la température du patient s'il fait de la fièvre par du paracétamol, transfuser pour maintenir un taux d'hémoglobine. Lui, il a dit 9 grammes, mais moi, dans mes recommandations, c'est plutôt autour de 10 grammes. Ben, on n'est pas à un gramme près. Et donner des anticonvulsivants s'il y a des convulsions. Donc, voilà comment moi, je résume la prise en charge médicale du traumatisme crânio-encéphalique. Si malgré tous ces traitements médicaux, on n'arrive pas à maintenir une pression intracérébrale normale, on va faire soit une dérivation ventriculaire externe ou carrément une craniectomie de décompression. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Tiala. Et en même temps, j'invite Dr. Sarah Mouton pour sa contribution. Dr. Sarah, êtes-vous deux? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais en train d'activer mon micro. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Nous vous écoutons très bien. Alors, merci pour la parole que vous m'accordez. Merci, docteur Patern, pour votre exposé. Je n'ai pas pu le suivre en entièreté parce que bon, je suis rentrée un peu tard. Donc, j'ai suivi juste, je crois, la deuxième partie. Mais de ce que j'ai pu suivre, je crois que c'était un exposé assez enrichissant. J'aurais juste quelques petites contributions à faire. J'aimerais juste rebondir d'abord par rapport à l'apport que le docteur Tsiala vient de faire. Alors, juste parce que je crois qu'on est avec des gens en formation, on est avec des médecins généralistes aussi. Alors, c'est vrai, vous dites, si on n'arrive pas à maîtriser tous ces... si on n'arrive pas à maîtriser, en fait... à traiter un TCE et qu'on a toutes ces mesures de décompensation, là, on passe à la dérivation externe. Bien sûr, si on a un scanner qui nous montre qu'on a une hydrocéphalie active, et vous parlez aussi de la craniectomie décompressive, mais il faut qu'ils comprennent que c'est dans un contexte où on a vraiment, on voit qu'on a un œdème diffus avec parfois un côté où le parenchyme qui est ischémié, alors là, il faut qu'on fasse une craniectomie décompressive. Juste pour qu'ils arrivent à comprendre cela. Alors, par rapport à l'exposé du docteur Patern, vous êtes vraiment appesantis sur la prise en charge du TCE grave, ce qui est très bien parce que c'est assez difficile, surtout dans nos contrées. J'aurais juste voulu qu'on puisse aussi, qu'on puisse quand même arriver aussi à schématiser un petit peu la prise en charge d'un TCE, je veux dire, entre guillemets, bénin. Parce que nous, par exemple, dans notre milieu, on a vraiment des problèmes. Par exemple, quand on nous réfère des malades à l'hôpital général de référence, l'hôpital général provincial de référence, généralement, c'est des patients qui ont connu un TCE et qui arrivent avec des solutions. Ils ont des solutés qui sont hypotoniques, en fait. Donc, j'aimerais qu'on puisse arriver à dire aux gens que ce n'est pas seulement dans le TCE grave qu'on met en fait des solutions hypertoniques. Parce que je me dis, dans le TCE, on l'a décrit, je pense, docteur Caboulot l'avait décrit, je crois que vous êtes revenu dessus en disant qu'il y a des lésions initiales et il y a des lésions secondaires, des lésions évolutives. C'est-à-dire qu'un TCE peut être bénin au départ, mais peut toutefois s'aggraver. Donc, pour prévenir en fait cette aggravation, autant ne pas mettre des solutions, je veux dire hypotoniques. Voilà. Autant mettre directement des solutions hypertoniques. Maintenant, il y a aussi un problème qui se pose avec les solutions hypertoniques. C'est vrai, il faut pouvoir faire une osmothérapie. De préférence, ce qu'on aime mettre, c'est du mannitol. Alors, il faut aussi que les gens arrivent à comprendre que le mannitol,
c'est pas une solution qui s'utilise de manière anodine, en fait. C'est une solution qui est très dangereuse. C'est pour cela que, voilà, généralement, c'est vrai, on peut mettre un flash, on commence par... on peut mettre 100 mg, enfin, vous avez donné les doses, c'est vrai, mais parfois, de manière grossière, on peut mettre 100 ml de mannitol 3 fois par jour ou toutes les 6 heures, c'est-à-dire 4 fois par jour, qu'on va continuer peut-être sur 48 heures maximum, sur 72 heures, mais en évitant de... Voilà, en évitant, en essayant de faire comprendre aux gens qu'il y a le mannitol, en fait, a des effets rebonds. Et que ça peut donner une cascade d'événements, en fait, qui peut être très, très dangereuse. Donc, en fait, ça, je crois qu'on aurait pu essayer de s'attarder un peu dessus. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce que je dis, je pense que c'est plus pour les anesthésistes et pour nous, neurochirurgiens, que c'est un peu compliqué, cette prise en charge, parce que les solutions hypertoniques, comme le sérum salé 7,5% ou 3%. On l'a décrit, je crois, docteur Patern, si vous vous rappelez, au dernier congrès d'Algérie, où on disait que parfois, si on l'utilise de manière continue, on peut avoir ce qu'on appelle une myélinolyse centropontique. Donc, il y a ça aussi qui peut intervenir. Donc, c'est comme si quasiment le pont, je veux dire le tronc cérébral peut se ratatiner. Donc, ce sont des solutions à utiliser de manière très, très précautionneuse. Donc, c'est pour cela, en fait, le neurochirurgien reposera toujours sur l'anesthésiste. Et ça, tous les médecins, qu'ils soient en formation ou les médecins généralistes, doivent arriver à le comprendre, parce qu'on ne donne pas comme ça de manière anodine, comme on le fait, comme on le voit, des centres de santé nous référer des malades avec des solutions qui ne sont pas, qui ne doivent pas, voilà, qui ne sont pas les bonnes. Alors, par rapport à la prise en charge à l'analgésie, je veux dire les antalgiques, généralement, on fait... bon, beaucoup d'anesthésistes ont décrit dernièrement ce qu'on appelle une analgésie multimodale, c'est-à-dire ils associent plusieurs analgésiques et des techniques, voilà, qui ont des sites d'action différentes et complémentaires, et voilà, qui peuvent être à l'origine d'interactions qui sont entre guillemets additives, en fait. C'est comme ça qu'on peut voir, on va mettre du paracétamol en infusion, par exemple. On va rajouter du tramadol et quelques heures plus tard, on mettra par exemple du nefopam. Donc, juste de manière à éviter aux patients de ressentir la moindre douleur, parce que ça va faire que son état s'aggrave, par exemple, ou que ça va augmenter son hypertension intracrânienne. Donc, voilà un petit peu. Voilà aussi par rapport aux anticommissiaux. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas suivi, hein, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais de notre côté, c'est vrai, enfin, déjà, il y a beaucoup d'auteurs qui ne préconisent pas, en fait, la prophylaxie anticommissiale, qui disent que ce n'est pas la peine. Mais bon, c'est vrai qu'on a vu quand même que souvent, lorsqu'on a des TCE, que ce soit des embarrures ou quoi que ce soit, parfois, ça irrite le cortex et ça peut causer des commissialités. Donc, moi, je pense, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'hésite pas à mettre une prophylaxie anticommissiale. Peut-être, je ne sais pas si vous avez la même expérience ou si peut-être Dr Cablo pourra aussi donner son expérience. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup, Dr Safari, pour votre exposé. Ok, merci beaucoup, docteur Sarah, pour cette contribution. Nous appelons au même moment docteur Kaboulo pour la suite des commentaires. Merci beaucoup, docteur Lekuya, pour la parole. Merci beaucoup, docteur Safari, pour l'exposé qui a été très succulent. Merci beaucoup, beaucoup aimé quand vous avez parlé de tout traumatisé crânien a aussi un traumatisme du rachis cervical. Là, en tout cas, on dit tout traumatisé crânien est considéré comme quelqu'un qui a aussi un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Ce qui fait que pendant que vous prenez en charge le traumatisme crânien, il faut aussi
prendre en charge le traumatisme du rachis cervical jusqu'à ce que vous allez faire l'imagerie et exclure une lésion du traumatisme, une lésion du rachis cervical. Par rapport aux antibiotiques que Dr Safari a mentionné, c'est controverse parce que il y a ceux-là qui ne donnent pas les antibiotiques en cas de traumatisme crânien, il y a ceux-là qui donnent. Même en cas de rhinorrhée, quand il y a fuite de LCR, c'est pas du tout straightforward. On donne les antibiotiques. Il y a les gens qui disent voilà parce que c'est unidirectionnel, donc les antibiotiques n'ont pas de rôle. Mais il y a les autres qui donnent aussi. Ça dépend aussi du mécanisme de traumatisme. Pour ce qui est des convulsions post-traumatiques, c'est comme la fois passée quand on avait parlé, on avait classifié ça en convulsions immédiates, les convulsions précoces et les convulsions tardives. Donc les immédiates, à l'époque, on disait c'était dans les 24 heures après le traumatisme. Et puis on dit c'est maintenant après 3 heures. Et maintenant on dit ce sont les convulsions qui surviennent juste après un traumatisme crânien. Et les convulsions précoces, c'est dans les 7 jours. Et au-delà des 7 jours, ça s'appelle convulsion tardive. Et quand on prend en charge les convulsions immédiates et les convulsions précoces, je m'excuse, l'enfant dérange, les convulsions précoces et les convulsions immédiates, on donne un anticonvulsivant non sédatif pendant 7 jours, une prophylaxie pendant 7 jours. Et si ce sont des convulsions post-traumatiques tardives, au-delà de 7 jours, vous donnez un anticonvulsivant non sédatif. Là, le traitement est long, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Et il y a même des critères quand est-ce qu'il faut arrêter ces traitements. Donc là, je voulais juste insister. Pourquoi on prend les anticonvulsivants non sédatifs? Parce que si vous sédatez deux fois, quand le malade commence à se détériorer, ça sera difficile de voir ça. Et en dehors de ça, je voulais aussi parler de l'acétazolamide que Dr Safari a parlé. Quand vous donnez l'acétazolamide, toujours associez le potassium parce que ça libère le potassium. Donc, le malade, quand vous donnez sans supplémenter en potassium, le malade risque de tomber en hypokaliémie. L'osmothérapie, dont Dr Sarah a aussi parlé, voilà. D'habitude, ce qui est partout, presque, les gens donnent, c'est le mannitol. Et le mannitol, on donne pas en continu, on donne en bolus, en dose séparée pour éviter ce que Dr Sarah a parlé, l'effet est bon. Mais je voulais juste parler ici, il faut faire attention avec le mannitol, comme Dr Sarah a parlé, Dr Safari a aussi parlé de ça. Le mannitol, on ne donne pas quand il y a insuffisance rénale, on ne donne pas le mannitol quand la tension artérielle systolique est inférieure à 100 mm de mercure, il ne faut pas donner le mannitol. Et donc, quand il y a des contre-indications de mannitol, là, vous prenez la solution physiologique hypertonique. Et la solution physiologique hypertonique, il faut aussi être souple parce que s'il y a hyponatrémie, vous aurez la myélinolyse que Dr Sarah a mentionnée. Et il faut maintenant voir pendant combien d'heures vous allez utiliser, et surtout si le malade est hyponatrémique. Le mannitol, comment il agit? Il est d'abord un capteur de radicaux libres. Il va attirer l'eau, donc l'œdème, par le phénomène d'osmose, il va attirer l'eau qui se trouve dans les cellules du cerveau vers les lits vasculaires, et il y a aussi un effet diurétique. Vous éliminez ce liquide. Le mannitol améliore aussi la rhéologie du sang. La rhéologie, c'est-à-dire le même effet que le mannitol est en train de faire aux cellules nerveuses, ça fait aussi ça aux globules rouges qui se trouvent dans le lit vasculaire. Ça attire aussi les liquides et les globules rouges diminuent de volume. Ils ont maintenant la capacité de traverser même les petits vaisseaux. Donc, et en dehors de ça, il y a aussi un rôle immunologique du mannitol. Par rapport au liquide, merci beaucoup, Dr Safari. On a remarqué que chez nous, au Congo, la plupart des médecins qui reçoivent les malades avec traumatisme crânien, ils donnent du sérum glucosé, ce qui n'est pas logique, parce que quand vous vérifiez l'osmolarité du sérum glucosé, c'est trop, trop bas. Donc, on ne peut même pas utiliser. Mais si pour les liquides de maintenance, on préfère le sérum physiologique, il y a même une étude qui a été faite, on dit le sérum, le Ringer lactate n'est pas du tout recommandé, parce que si vous voyez le Ringer lactate, son osmolarité est de 265, ce qui est légèrement hypo-osmolaire par rapport à l'osmolarité du plasma. Donc, ça peut augmenter, mais il y a toujours des écoles qui continuent à donner le Ringer lactate.
Enfin, pour terminer, je voulais parler de... Docteur Sial a parlé de kétamine. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, parce que le kétamine en neurochirurgie, on ne l'utilise pas parce que la kétamine augmente la pression intracrânienne. Même parmi les anesthésiques qu'on utilise, la kétamine est contre-indiquée en neurochirurgie. Ça augmente la pression intracrânienne. Maintenant, je ne sais pas par rapport à son expérience, mais sinon, je n'ai jamais rencontré où on parle de la kétamine en cas de traumatisme crânien encéphalique. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup pour les contributions que nous avons déjà reçues à nos de la part de nos panélistes du jour. Et comme nous attendons aussi quelques contributions de la part de Dr Saïd et puis Dr Katumba, et je signale qu'il y a déjà des questions qui sont évoquées dans notre chat. Mais aussi, je voulais un peu épingler un commentaire sur l'hypothermie. Il y a une étude qui a été faite à Eurotherm, je crois 385, c'est un chiffre là qui s'associe, qui a démontré que l'hypothermie induite chez les patients avec traumatisme crânien sévère était un peu délétère. Il n'y avait pas de bénéfice en termes de long-term outcome, mais aussi il y avait beaucoup d'effets secondaires dans les groupes où on avait induit l'hypothermie en comparaison avec les groupes contrôle qui étaient en fait les standard care. Je crois que l'hypothermie, comme on avait retiré les stéroïdes dans la prise en charge, on a aussi récemment, je crois, il y a moins de 5 ans, retirer aussi l'hypothermie dans les guidelines si nous lisons les Brain Trauma Foundation. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une expérience sur ça. Sinon, nous allons soit inviter le docteur Safari pour répondre aux questions qui sont dans le groupe, en attendant que nous invitons nos guests, docteur Katumba et docteur Saïd, à donner des commentaires. Je suis en ligne. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Oui. Docteur Safari, est-ce que vous pouvez aussi fermer votre écran parce que vous êtes en train de partager votre WhatsApp et nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Désolé. Si, désolé. Okay. Oui, je vais fermer. Oui. Alors, donc, ce que je disais, ce que je voulais dire par rapport à différentes questions, en fait, c'est plus de contributions, des ajouts par rapport à mon exposé, et je remercie tous ceux qui ont pu intervenir, docteur Sarah, notre aîné docteur Nsiala, ainsi que docteur Kaboulou qui vient d'intervenir. Juste pour ce qui est de notre pratique, ce que je vais signaler par exemple pour... Docteur Safari, je m'excuse, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran parce que c'est votre page WhatsApp qui se laisse voir. Désolé. Merci. Et là, ça va? C'est bon. Oui, ça va. OK. Merci. Alors, pour ce qui est de l'usage du mannitol, comme nous l'avions dit, le mannitol, nous le donnons à la phase aiguë du traumatisme. Et le mannitol est donné en 48 à 72 heures, pas au-delà de 72 heures. Et c'est pour éviter l'effet rebound, puisqu'on sait que au-delà, le mannitol ne donne plus d'effet, mais plutôt les effets contraires. Donc, du coup, on s'arrête à maximum 72 heures par l'usage du mannitol. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à avoir... donc, on ne sait pas placer le capteur de pression intracrânienne puisqu'on n'a pas de dispositif, mais cela devait nous aider également à mesurer la pression, le temps qu'on donne le mannitol pour savoir si la pression tend à s'équilibrer ou bien à revenir à la normale ou pas. Alors, pour ce qui est du traitement anticommissial, Dr Sarah a fait allusion beaucoup plus à ce traitement pour le TC bénin. Alors, dans notre conduite, le traitement anticommissial à visée préventive est donné pour une durée d'une semaine, et cela pour les malades qui ont présenté au-delà de 2 crises convulsives. Donc, à moins de 2 crises, on ne commence pas un traitement anticommissial puisque
Après, l'arrêt est toujours difficile puisque, comme le docteur Gabriel l'a dit, on peut aller jusqu'à 2 ans de prise de traitement anticommercial. Et donc, on s'arrange toujours pour que, au-delà de 2 crises, on puisse donner et non à moins de 2 crises. Alors, pour ce qui est des solités, d'abord pour l'antibioprophylaxie, pour le cas de brèche ostéoméningée, alors là, on est strict, puisqu'on sait que nous travaillons dans des conditions difficiles où les règles d'asepsie ne sont pas respectées et par le malade et par le personnel soignant, où les malades sont mis dans des salles communes. Et donc, on craint beaucoup plus cette infection. Et du coup, quand on a une suspicion d'une brèche ostéoméningée, nous mettons une double antibioprophylaxie, si on peut l'appeler ainsi. Alors, pour ce qui est de perfusion, nous, on a des mauvaises conduites, on avait des mauvaises conduites dans nos hôpitaux ici, où pour tous les malades, ils recevaient des sérums glucosés 5% ou des ringères lactates. Maintenant, on n'en donne plus. Les malades reçoivent des sérums physiologiques. Parfois, on peut aller jusqu'à 3% de sérum physiologique hypertonique ou à 7,5%. Mais souvent, nous avons les 0,9% et on associe au mannitol. Alors, autre chose que je voulais signaler, c'est que toujours dans les conduites, on avait un problème où on utilisait des corticoïdes, notamment la dexaméthasone. Alors, selon plusieurs études, on sait maintenant que les corticoïdes n'ont pas d'effet sur l'édème d'origine traumatique. S'il s'agit de l'édème d'origine tumorale, oui, mais pas d'origine traumatique. Donc, du coup, on a également effacé dans notre conduite la mise en place de la corticothérapie. Alors, pour ce qui est de la kétamine, comme l'a dit notre aîné, le docteur Nsiala, la kétamine, en neurochirurgie, on ne la donne pas, puisqu'on sait que la kétamine entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. Et donc, pour les malades qui doivent être sédatés, si on doit encore majorer la pression intracrânienne, là, ça pose des problèmes de prise en charge. Je peux répondre à ces propos? Oui, puisque je pense que c'est la dernière question que j'avais. Vous basez sur des études anciennes. C'est vrai que pendant très longtemps, la kétamine a été bannie parce qu'on l'accusait à tort d'augmenter la pression intracrânienne. Il y a plusieurs études récentes, même une qui a été menée ici en France, au cabinet Bicêtre, qui a comparé le midazolam plus sulfentanil versus kétamine plus sulfentanil. Cette étude a montré qu'il n'y avait pas d'augmentation de la pression intracrânienne avec la kétamine. Mais il y en a d'autres, au point qu'aujourd'hui, dans les recommandations françaises, la kétamine est préconisée, tout simplement parce qu'elle permet une bonne stabilité hémodynamique. Je vais vous transférer après ces webinaires toutes les études actuelles sur la kétamine et même les recommandations françaises de 2019. D'accord. Voilà. Et puis, je voulais ajouter quelque chose, mais ça n'a pas trop d'importance. Le tramadol et les méfopans, par contre, sont contre-indiqués parce qu'ils abaissent le seuil de convulsion. C'est le médicament à éviter. OK. Très bien, c'est un ajout qui est important. Je m'excuse beaucoup, je voulais juste, je ne sais pas, docteur Lekuya, permettez-moi pour quelques secondes seulement. Je vous parle. Oui, docteur Nsiala, quand vous parlez de kétamine, c'est à quel niveau, chez quel malade et à quel moment vous donnez la kétamine? On parle bien de traumatisés crâniens graves à qui on veut faire une sédation analgésique, c'est-à-dire les malades pour lesquels vous mettez sulfentanil, midazolam. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la kétamine. Ok, j'espère que peut-être vous allez nous envoyer les études. On va aussi voir parce que la plupart des études que nous avons, la kétamine est contre-indiquée. Ce n'est même pas mentionné dans les livres de neurochirurgie. Ben, je vous dis que dans les recommandations françaises de 2019 sur la réanimation du traumatisme grave, la kétamine est mentionnée. Et je vous dis, et puis je vais vous envoyer toutes les études qui parlent de la kétamine. Bref, la kétamine n'augmente pas la pression intracrânienne. Elle a été accusée à tort pendant longtemps.
Merci beaucoup, Dr. Nsiala. C'est aussi l'objectif de nos discussions pour échanger les informations nouvelles qui surgissent. C'est la science. Il y a des principes qui ont été évoqués et contredits et réintroduits plus tard. On en a beaucoup dans l'expérience. Je crois que c'est un devoir pour nous tous d'aller encore lire. Et j'avais aussi la même discussion avec notre anesthésiste aussi de la même question, et même la question de tramadol. Et c'était encore une question qui a assisté beaucoup de discussions parce que c'était notre médicament de préférence parce qu'il était, il avait moins d'effets secondaires à part les vomissements en termes d'antalgie. Et puis, on a découvert que ça aussi réduit les seuils de convulsions. C'était une question qui a suscité beaucoup de discussions. Je crois que c'est aussi la même discussion qui vient ici, je crois. Beaucoup d'autres vont aussi donner leur expérience sur le plan clinique, à part ce qui est trouvé dans les recherches. Est-ce que nous pouvons passer, juste brièvement, je vais donner 2 minutes à Dr. Katumba, qui va essayer de se présenter. Et peut-être dire un bonjour. Et s'il a un petit commentaire à faire aussi, il sera bienvenu. Comme nous sommes pressés par le temps, je m'excuse de vous donner un peu moins de temps que les autres. Et en même temps, on va aussi écouter Dr. Saïd après pour nous donner un tout petit commentaire aussi sur les feedbacks de discussion. Dr. Katouba, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oh là là. 5 sur 5. Ah, ok, c'est bon. Tout d'abord, je voudrais remercier le modérateur, Dr. Lekouya, pour cet excellent webinaire. Ça, c'est un. Et puis, de deux, je voudrais aussi remercier Dr. Safari, je crois. Je m'excuse si je prononce mal le nom, qui a fait une bonne présentation. Alors, j'ai quelques petites remarques et suggestions. Je vais aller très vite. Au sujet des remarques, je pense qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour toujours commencer ce genre de meeting à temps, parce que si on grignote 15 minutes, à la fin, on commence à bousculer tout le monde et ça ne fait pas bien. Donc, je voudrais demander au prochain présentateur, si on dit 20 heures, il faut commencer effectivement à 20 heures, pas à 20h15. Bon. Ceci étant, nous savons tous que le traumatisme en neurochirurgie occupe une place prépondérante. En fait, c'est la pathologie la plus courante dans pratiquement tous les centres de neurochirurgie. Ceci signifie que si nous avons des malades qui ont un traumatisme crânio-encéphalique sévère, il faut le prendre avec beaucoup de méthodes. Tout revient en fait à une perte de ce qu'on appelle l'autorégulation. Je ne veux pas revenir en détail là-dessus, mais quand il y a perte d'autorégulation, évidemment, ça conduit à la diminution de la pression de perfusion centrale, avec l'ischémie, et puis, bien sûr, il y a des lésions qui sont irréversibles. Alors, trois petites remarques au sujet de cette présentation. Je ne veux pas revenir sur ce que les autres intervenants ont dit, parce que ce serait vraiment rabâcher les oreilles, n'est-ce pas, à l'auditoire. Il est intéressant de remarquer qu'on a insisté sur la coexistence du traumatisme au niveau de la colonne cervicale, c'est très bien. On a relevé, n'est-ce pas, le danger du mannitol qui ne doit pas se donner au-delà de 72 heures parce qu'en fait, il y a des lésions rénales qui sont connues et quand on donne le mannitol, il faut s'assurer que l'osmolarité du sodium est dans les limites physiologiques, ça c'est très bien. Il y a l'autre élément que peut-être le docteur Safari n'a pas beaucoup insisté, c'est que quand il y a traumatisme crânio-encéphalique sévère, on a affaire à un œdème cytotoxique. Et quand on a affaire à un œdème cytotoxique, il y a souvent libération massive des facteurs oxydatifs, dont la conséquence est la majoration, n'est-ce pas, de l'inflammation, avec accentuation de l'ischémie et, disons, des dommages irréversibles. Ça, c'est un élément très important. Enfin, quand il faut faire une craniotomie bilatérale, craniotomie de décompression, faut-il faire une craniotomie unilatérale ou bilatérale? C'est un sujet de débat, mais je pense qu'il semble plus logique de faire une craniotomie bilatérale qu'unilatérale. Alors, j'ai remarqué que les références auxquelles le docteur Safari, n'est-ce pas, s'est fié pour composer sa présentation sont quand même un peu vieilles. Chesnut et Rosner, ça fait plus de 20 ans
qu'ils ont fait leur présentation. Moi, ma suggestion serait qu'on essaie d'imaginer maintenant des études plus récentes, mais dans nos conditions, dans les conditions de vie de nos, enfin, dans nos conditions de vie, dans les conditions de vie de nos patients. Qu'on puisse apporter aussi une touche, je ne peux pas dire africaine ou tropicale, mais en tout cas, une touche contextuelle, parce que nous n'avons pas exactement le même contexte que le contexte dans lequel Chesnut et Rosner ont fait leurs études. Et si nous faisons cela, nous allons arriver en fait à pouvoir composer de sortes de guides thérapeutiques en essayant de faire un effort pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les appliquer dans tous les centres. Dernière suggestion, parce que le temps presse, il y a deux petites choses. Je pense qu'il faut... Il y a des collègues qui sont un peu plus jeunes, un peu moins jeunes, mais quand on fait une présentation de ce genre, il faut toujours faire ressortir les points essentiels, sous forme, disons, pas de catalogue, mais de voie à suivre quand on a un trauma de ce genre. Enfin, si on peut aussi organiser des sortes de quiz, ce que les anglophones appellent des quiz, donc des petites questions en rapport avec le sujet à la fin, je pense que ce serait une bonne chose. Merci. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Dr Katumba, pour votre commentaire. Et je crois qu'il y a un quiz qui est encore à la fin. On va organiser ça. Et aussi pour vos remarques. Et je crois que prochainement, on en tiendra compte pour ne pas vraiment commencer en retard. Et Dr Saïd, encore une fois, je vous donne aussi moins de temps que les autres. 2 minutes, juste pour donner l'impression ou peut-être un petit commentaire avant que Dr Patern réponde aux questions qui sont dans les chats et aussi conduise les pôles de questions. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier Dr Safari pour sa présentation, également tous les intervenants. Je voulais juste rebondir sur ce que le Dr Katumba a dit. Effectivement, donc, c'est une pathologie qui est spécifique qui est spécifique au pays, donc spécifique à l'Afrique, spécifique et qu'on ne peut pas la comparer à des études donc des pays riches, parce que la prise en charge des traumatisés crâniens graves nécessite un coût économique très élevé, un investissement important au niveau matériel, donc des anesthésistes spécialisés dans le domaine de la réanimation neurochirurgicale. Je voulais également insister sur, je pense que, je sais que les conditions de travail sont très, très difficiles localement, donc insister sur la prise en charge initiale, c'est-à-dire sur les lieux des traumatisés crâniens. Parce que je suis sûr et certain que la majorité des patients qui arrivent chez vous, les lésions, les ascos sont déjà installés. Donc, à défaut d'avoir des moyens, je pense qu'il faut peut-être former des gens, je veux dire, à l'image des États-Unis, c'est-à-dire des gens qui sont capables de prendre le patient, donc de faire attention au rachis cervical, donc d'oxygéner, de libérer les voies aériennes supérieures et de l'amener rapidement au centre de réanimation, aux urgences, donc ça dépend un peu des services. Je pense que c'est un premier pas dans la prise en charge de ce genre de pathologie. Donc, je sais que ce n'est pas facile, il faut des moyens, donc il faut un accès facile au scanner, donc il ne faut pas se battre pour avoir un scanner cérébral. Non, il est Glasgow aussi, il est Glasgow, donc c'est traumatisme bénin, malin. Donc, il n'y a pas de traumatisme bénin, je ne vais pas traiter ce sujet-là pour moi, donc j'ai combattu donc, ce terme, traumatisme bénin, donc il n'y a pas de traumatisme sans séquelles. Il y a des séquelles, même chez le type qui est là, donc il a pris un coup, donc il a perdu connaissance, qui sort. Donc, après une semaine, il a des troubles mnésiques, des troubles de comportement, donc il va errer à droite, à gauche, il va garder des séquelles lourdes. Bref, donc ça c'est un autre débat, peut-être on pourra en parler un autre jour, mais je pense que pour la prise en charge, donc d'abord le scanner, il faut que ça soit un body scanner pour un traumatisme grave, ne pas perdre de temps, parce que donc, on fait un scanner, on retourne, on a donc suspicion de ci, etc., et on perd le temps. Je pense que ça doit être quelque chose de systématique quand on a un patient qui est dans le coma. On ne sait pas s'il a une lésion donc, de rate, s'il a donc, des fractures de bassin, etc. etc. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire. J'avais des choses à dire, mais j'espère que ce n'est qu'un début de coopération avec vous. Donc, je remercie beaucoup de Monsieur John Bennett qui nous m'a permis de faire votre connaissance, et j'espère que c'est un début donc de coopération entre nous, donc entre nos deux centres. On a donc une pathologie qui est proche parce que Mayotte, Madagascar. Donc le département de Mayotte, c'est une département, c'est le dernier département de France, et la pathologie ressemble beaucoup donc à la pathologie que vous avez. Donc on a affaire à ce genre de pathologie. Et je pense que on discutera peut-être en off sur les futures présentations, les futures coopérations. Donc venir à la réunion, donc c'est pas très loin, donc vous êtes les bienvenus. Puis voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Dr Saïd. Et aussi, je profite de l'occasion pour déjà remercier tous les panels qui ont participé. Avant que Dr Safari réponde aux questions, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont maintenant dans les chats. Je signale que, je me souviens, il y a moins de 10 ans, on avait vraiment environ, je crois, moins de 5 neurochirurgiens dans tous les pays. Maintenant, là, nous avons beaucoup de neurochirurgiens qui sont venus combler les vides. Et je crois que la Société des neurochirurgiens du Congo va encore une fois avoir beaucoup de contacts et des points focaux, peut-être encore penser à organiser maintenant une formation de façon locale au niveau du pays avec des partenariats. Merci, Dr Saïd, qui se porte déjà garant pour une collaboration, peut-être pour... en termes de programmes d'échange et autre chose qu'on peut trouver en collaborant, je crois que vous êtes la bienvenue. Malheureusement, on a toujours essayé de tenter d'inviter le président national des neurochirurgies du Congo, qui est souvent occupé pendant nos discussions les soirs. Je crois qu'un jour, il va aussi participer et peut-être se connecter aux différents un neurochirurgien. Aujourd'hui, j'ai fait connaissance au docteur Katumba. Je voudrais bien qu'il introduise sa ville où il est basé. Ça pourra aussi faciliter la collaboration avec les autres neurochirurgiens qui sont dans le terrain et peut-être aussi pour les besoins du pays, pour connecter les pays en termes de neurochirurgie. Docteur Safari, vous êtes encore une fois invité à répondre aux questions. Je ne sais pas si vous avez lu toutes les questions ou je dois relire pour vous. J'ai compté, c'était environ 8. Je pense qu'il y en a, il y a plus de 8. Je suis en train de les lire progressivement. Peut-être que je vais lire et essayer de commenter ou de répondre. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Alors, il y a une question qui est posée sur la durée précise de la neurosédation. Je pense que la première question, je ne sais pas s'il y a une avant celle-là, mais c'est ce que je viens de voir. Alors, là, je vais répondre sous contrôle du réanimateur. Alors, la neurosédation, elle est instaurée. Et comme je l'ai dit dans la présentation, c'est chaque 24 à 48 heures qu'on essaye de réveiller le malade, donc d'arrêter la sédation pour voir s'il y a des signes de réveil. Et si les signes de réveil se manifestent et que le malade semble émerger, on voit s'il y a également des agitations, puisque parfois les malades, à force de s'agiter, ils peuvent créer d'autres lésions, n'est-ce pas? Si on a des lésions des acides cervicales, ça peut décompenser si ce sont des lésions qui sont instables. Et donc, cette sédation, le docteur Sial pourra me compléter toujours, puisque je peux me tromper, mais c'est sur base de... du cycle de réveil chez le malade. Donc, s'il y a des signes de réveil, dans ce cas, on peut être amené à diminuer la sédation jusqu'à ce que le malade se réveille complètement, mais sans agitation. C'est ce que je peux dire. Alors, on a posé une question sur les critères d'intubation d'un malade avec trauma crânio-encéphalique. On sait que tout malade avec trauma crânio-encéphalique grave doit être intubé et assisté sur le plan respiratoire. Au moins, c'est là. Mais également, on peut avoir des lésions faciales
qui peuvent entraîner une baisse de saturation, mais également des lésions pulmonaires ou thoraciques qui entraînent également des baisses de saturation. Ce sont des malades qui, même s'ils ont un Glasgow au-delà de 8, nécessitent une intubation pour faciliter la ventilation. Et après, une fois stabilisé sur le plan d'autres lésions associées, donc les malades peuvent être extubés, mais tout en surveillant leur saturation. Comme nous l'avions dit, la pression partielle en oxygène doit être supérieure à 92%. Alors, une question a été posée par rapport au sérum physiologique hypertonique en demandant quelle quantité doit être donnée. Nous l'avions dit, chez l'adulte, on est autour de 1 à 1,5 litre par 24 heures. Et chez l'enfant, on calcule le besoin hydrique de base et on donne 75%, donc 75% de ses besoins, pour ne pas donner beaucoup de liquide, puisque la logique, c'est de faire une restriction hydrique, mais tout en donnant la quantité nécessaire pour la survie du patient. Alors, je vois ici une question sur l'héparine à bas poids moléculaire pour un traumatisé crânien grave. J'avoue que je ne connais pas l'indication de l'héparinothérapie chez ces malades, sauf si on nous dit que c'est associé, par exemple, aux fractures du bassin, à une fracture du bassin ou des fractures des os longs qui peuvent parfois indiquer l'héparinothérapie. Mais il faudra peut-être avoir aussi des scanners cérébraux répétés chez ces malades, puisqu'on sait qu'avec l'héparine, il peut présenter un risque important de saignement, ce qui peut aggraver l'état initial des traumatisés crânio-encéphaliques. Donc, l'indication dans les cas de trauma crânio-encéphalique isolé, je ne la connais pas. Je ne sais pas si les collègues et les aînés peuvent me compléter. Alors, je vois ici comment prendre en charge en urgence un traumatisé crânien grave dans un milieu où les structures sanitaires ne disposent pas des équipements nécessaires. Ça, c'est une question difficile. On sait que trauma crânien encéphalique grave, ce sont des malades qui nécessitent une assistance ventilatoire, mais également vasculaire. Mais comme l'a dit le docteur Nsiala, c'est toujours assurer les ABCD de la réanimation. Et il y a certaines mesures qui ne dépendent pas de la spécialisation ou d'une médecine spécialisée. Libérer les voies aériennes du malade, avoir une voie veineuse de gros calibre, savoir assurer la bonne pression artérielle pour une bonne perfusion cérébrale. Dans ça, ce sont des mesures qui peuvent être assurées par n'importe quel médecin, même un médecin généraliste, tout en sachant que cette traumatisé crânien grave doit avoir le rachis cervical immobilisé. Alors, on va poser la question de savoir est-ce qu'on a la Minerve ou pas, mais il faut fabriquer quelque chose qui permet d'immobiliser le rachis cervical et au besoin même, l'axe du corps qui doit rester dans un plan horizontal sur un plan dur. Voilà. Alors, besoin de plus de précision sur la physiopathologie de la survenue de myélonélyse centropontique. Docteur Sarah Mouton en a parlé, mais également docteur Kaboulou, en disant que la perfusion de mannitol continue peut entraîner cette lyse au niveau du tronc cérébral. Je pense que docteur Kaboulou pourra donner un peu plus de précision par rapport à cela. C'est alors, la déshydratation? Oui, il y a la déshydratation, bien sûr, qui est causée par le mannitol. Mais comme nous l'avions dit, le mannitol, c'est un couteau à double tranchant puisque ça baisse la pression intracrânienne, mais également, ça entraîne une déshydratation parce que c'est un diurétique. Et donc, du coup, il faut savoir quand est-ce qu'il faut compenser et les troubles hydroélectrolytiques, donc les troubles comment compenser les troubles hydroélectrolytiques qui sont liés à la prise de mannitol. Et c'est pourquoi on doit toujours contrôler la diurèse du patient. Il ne faut pas que les sorties soient 3 fois supérieures aux entrées, puisqu'on sait que dans ces cas, qu'on est en train de déshydrater le malade. Voilà. Alors, si je peux continuer pour les questions. Quelle solution à utiliser à l'absence du mannitol, étant donné que ce dernier n'est pas disponible partout dans les contextes de la RDC? Nous l'avions dit, le sérum physiologique, c'est la perfusion idéale, s'il faut le dire, par rapport à l'osmolarité. Mais pour entraîner une baisse de la pression intracrânienne, donc pour jouer l'effet diurétique,
on est obligé ou on peut ajouter des ampoules de NaCl pour l'enrichir. Et dans ces cas, on peut aller à 3% des concentrations de NaCl ou même à 7,5%. Donc, si on a des ampoules de NaCl, on peut ajouter dans le flacon de sérum physiologique. Alors, d'autres questions concernant la prise en charge TCL dispensable. Question. Est-ce que l'instauration d'un antioxydant dans les TCE est-il important vu la production exagérée des facteurs oxydatifs à cause de l'inflammation dans les TCE? Ça, c'est un sujet. Donc, les antioxydants, c'est un sujet toujours à controverse. Pour certaines écoles, ça ne sert à rien. Pour d'autres, il faut donner. Alors, j'avoue que dans notre pratique, on en utilise. On n'a pas une étude faite localement pour comparer chez les malades ayant reçu des antioxydants et ceux qui n'en ont pas reçu et voir l'évolution. Donc, nous pouvons toujours en discuter avec les aînés panélistes qui sont en ligne pour savoir quel est leur avis. Alors, je crois que c'est tout comme question que je vois ici sur le fil de conversation. Merci beaucoup pour la réponse des questions. Avant que vous lancez les polls, est-ce qu'un des panélistes a un avis à ajouter ou contraire aux réponses? Ok, je peux. D'accord, docteur Kavulo. Merci beaucoup. Docteur Safari, merci beaucoup pour les réponses très claires. Je voulais juste ajouter quelque chose sur la myélinolysis. Je m'excuse, les Français, j'ai fait ma formation en anglais. Donc, ça survient souvent quand on corrige l'hyponatrémie d'une manière rapide. Et là, c'est avec le physiologique. Donc, quand on a l'hyponatrémie, il faut classifier l'hyponatrémie chronique ou aiguë. Ou c'est l'hyponatrémie légère, modérée ou sévère. Alors, en termes de chronicité, si l'hyponatrémie, on dose le sodium presque chaque jour, 24 heures après, on voit qu'il y a une hyponatrémie, ça c'est aigu, et donc ça survient dans les 24 heures. Et pour corriger, il faut y aller lentement. Parce que quand vous y allez rapidement, vous aurez ça. Maintenant, si c'est une hyponatrémie chronique, là, donc l'hyponatrémie aiguë, vous pouvez corriger rapidement. Mais l'hyponatrémie chronique, vous pouvez y aller lentement en corrigeant, pour éviter la myélinolysis du pont. Donc, ça survient souvent quand on corrige l'hyponatrémie un peu rapidement là, avec du sérum salé. Et il y avait une question qui parlait, il y avait une question, j'avais vu quelqu'un demander de rappeler un peu les contre-indications du Manitol. Je ne sais pas si la personne est encore là. Non. Okay. Donc, oui, ça m'a donné la réponse. Ok. Donc, on avait dit insuffisance rénale, on ne donne pas le mannitol. La tension artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, on ne donne pas le mannitol. Et aussi, quand l'osmolarité du sang est supérieure à 320, on ne donne pas le mannitol. Merci. Merci pour le complément, docteur Kavulo. Merci beaucoup, docteur Kavulo, pour le complément. Et sans plus tarder, je crois que j'avais promis d'introduire encore le docteur Katumba, s'il peut nous donner sa ville d'origine, la ville où il est en train de pratiquer. Ça peut permettre aussi aux autres de commencer déjà à se connecter avec lui avant que docteur Safari lance les poll de questions. Docteur Katumba, êtes-vous en ligne? Oui, je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis en train de parler. 5 maintenant. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je suis en fait à cheval entre Pretoria et Kinshasa pour faciliter les choses. Malheureusement, à cause du COVID-19, je ne sais pas être tout le temps à Kinshasa, mais je pense que je vais reprendre mes visites à Kinshasa, plus précisément à l'hôpital général. Donc, voilà, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Je crois que l'équipe a déjà identifié Alors, le neurochirurgien qui va revenir à Kin.
Oui, alors. Je crois que le pays a besoin de vous. Non, je voulais dire aussi autre chose. Bon, je suis sur WhatsApp. Mon WhatsApp est toujours ouvert 24 heures sur 24. Je donnerai aussi mon adresse électronique. Donc, s'il y a des collègues ou des amis qui veulent me contacter, ils sont libres de le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors, je voulais juste ajouter un petit commentaire sur le docteur Kaboulou vient de dire. Quand on corrige l'hyponatrémie, il faut essayer d'éviter, je pense, d'aller au-delà de 1 milliéquivalent par jour, si je ne me trompe. Parce que si vous allez, si vous faites la correction trop vite, eh bien, vous tombez dans, en fait dans la myélinose pontine. Voilà, c'est ça en fait. Et bien sûr, avec des dégâts au niveau du tronc cérébral, au niveau musculaire, même au niveau de la conscience. Merci beaucoup à tout le monde. Chez les enfants, on ne part pas au-delà de 8 milliéquivalents par jour. Et chez l'adulte, on ne part pas au-delà de 12. Merci, docteur Katoum. Merci. Merci beaucoup pour toutes les contributions. C'était vraiment une soirée enrichissante. Et j'invite le docteur Paterne, s'il peut déjà collaborer avec Mr. Bennett. Mr. Bennett, we are almost closing. We want to launch the calls for discussion or for the questions. Yes. Are you with us? Yes. And Dr. Safari is going to lead the poll. Let me get up the poll. I'm getting the poll ready. Okay. Dr. Safari, vous allez. Docteur Lecouya. Okay. I need to tell you to instruct everybody to go to the website of Kahoot.it. Kahoot.it. Okay. On their smartphones, because that's how you vote. You vote with your smartphone. So get on your smartphone to Kahoot.it. And when I see some people come in, okay, and then you'll get a screen that asks you the PIN. Here's the PIN. Okay, Dr. Bennett nous demande d'aller dans ce site de Kahoot. Kahoot. Kahoot.it. Et puis, il y a le code. Kahoot. Pour accéder au questionnaire. Yeah, I'm going to put it. Okay, yeah. Kahoot.it. Docteur Safari, vous êtes en train de parler, je m'excuse. Oui, je disais que j'ai omis. Pas volontairement, mais j'ai plutôt oublié de composer des questions pour tous les participants. Donc, je suis désolé, je m'en excuse. Okay. Mais on va seulement répondre aux questions, peut-être en général, et puis. There's no hurry. I'll wait till people get in here. Yeah. Now, Mr. Bennett. Yeah. Now, how will it be possible for the one who is conducting the polls to guide people for answers? Will it need to be? I know. No, I don't know that yet, but I'm learning. I'm an intern. Okay. I'm going to Kahoot myself. .it. Okay, I know this will be hard to learn. Okay, I don't know if you can see my screen there. I'm on my smartphone to Kahoot. You can't see that probably, right? And there's a screen. Oh, we can't see it. I'm also trying to go through. Yeah, are you at the website, Lecouya? Kahoot, Kahoot.it. Okay, I'm going to enter. You'll see me enter. I'm going to enter with my smartphone. Oh, I'm sorry. I got to put a pin in there. I got to put a pin in before I can appear, and you'll see what happens. Yeah, I'd like to spend a little time because this is worth it. I think it's going to make the education process better. To have questions and that kind of interaction. Okay, yeah, okay, we're getting a couple of people. I don't expect a lot of people, but essentially we're in. That means that we entered Kahoot.it and we entered that PIN number at the top of the screen, 781-7716.
There's a PIN number right there at the top. Okay. 781. Okay, another Eager Lobster came in. That's me. I failed to put my name. That's a good one. Yeah. Okay, but yeah, we won't wait too long. Maybe just a minute or two here. Okay, we got five. That's great. Yeah, and I'm sorry I don't have it working as well to show you the answers right away, which I know you can do. I just don't know how to do it. I try to do it before the show, but it didn't work. Okay, then we're going to start now. Here we go. And it's self-explanatory. You just punch on your smartphone the answer, the color. It's self-explanatory. You'll see. Okay, you see that okay, right? Me, I'm still searching for the nickname. I don't know. I'm struggling. Okay. Just put no nickname. Okay, anybody, yeah, anybody have any success? Two answers. That's okay. That's all right. We'll work. We're getting there. What the pin again? Because I've lost the pin now. Oh, okay, yeah. It's that's one thing they don't do. I can't believe they don't do that. The key. Okay, who has the key? 781716. Okay, you got that? 781716. Yes. Okay. Tell me when you're ready. You ready, Ahanga? Let me know when you get in there. Oh, we'll see it, actually, probably. No. I'm not able to enter. I'm trying. Okay. We'll wait. We'll wait till you get in there. I kind of got something. I got. You got the right number again? It's time up. Hey, you got timed out? It's a serious game. We're not stopping. Then the number was... Go ahead. Give the number again. Lakuya, please. 781716. I'm time out. I don't know what's happening. Once again? 781716. Yes. 781716. Yes. Okay. Looks like the place is full. They say there is zero. Okay, let's go on. Okay, I'm sorry about that. Okay, we're learning. We'll get better. Okay. Let's vote there. Okay, now we're back on track. We're getting people working now. Let me put the music on. That's probably going to put people in the mood. Okay, four people said plus. Okay, good. Okay. It's just your opinion. We don't know who is voting. Oh, we got a lot of people now. We got eight people in here now. All right, we want more. That's great. We'll consider that. Okay. I was just kind of curious about that. Mm-hmm.
Okay, they're getting a good response. One more question. It's the end of that is video de Zoom. De Zoom. At the end of that question, una video de Zoom. Okay, very good. Okay, save results. I'm going to save the results and save to drive, and I'll have it back for you next week, which is not the way we want to do it. Those polls you're supposed to know right away. I'm sorry about that, but I'll learn before next week. I promise. Okay. Thank you. Okay. It was another experience. So I'm going to congratulate everyone who has contributed for today's session. And also, really thank you, Mr. Bennett, for this great opportunity you've given us. The Congolese society, we are still learning more and growing up in terms of capacity. And also, we are trying to connect more and more within us and then also externally. And I hope we are going to have a great opportunity next time with you again. And thank you for everything you are doing. Et en même temps, je remercie tous les participants qui ont été en arrière-background et puis spécialement à notre orateur du jour, Dr. Patern, pour avoir discuté en détail ces sujets. Et nous espérons encore que la prochaine fois, ça sera vraiment intéressant. Docteur Katouba, merci beaucoup pour votre contribution. Docteur Saïd, je crois qu'il est déjà parti, merci beaucoup. Et Docteur Kaboulo, Docteur Sarah, Docteur Ntiala, nous vous remercions pour la session d'aujourd'hui. Je remets la parole encore une fois à Docteur Bennett. Mr. Bennett, do you have anything to do? To say before? Yes, I would just like you to translate that it's great to work with an enthusiastic group of people that I think are utilizing the Zoom the way it can be used. It's a very interactive program. It's going to be around for a long time, so you might as well learn it. So thank you very much, and we'll see you next Monday, I assume. Hello, Dr. Bennett. Yes, yes. Yes, uh-huh. Yeah, I want to say something for the next presentation. Okay. So the next presenter is ready to present this Thursday. So I don't know if you. Yeah, we could can do have it. The we could space do it. For this. Yeah, just send, me, and, send me the information. Another thing. Yeah. Yeah, another thing is all the program is now given by Dr. Kaboulo, who's coordinating now these sessions, these neuro sessions. Dr. Kaboulo, are you there? Sure, I'm around. He's taking over. Yeah. He's taking over. Yeah, you can. It's a coup. He's overthrown. He's overthrown. Decision. Oh my God. Thank you so much, Dr. Bennett. So we are trying. We have three more presentations on traumatic brain injury. Okay. I think the next one will be by Dr. Sarah on surgical management of traumatic brain injury, followed by Dr. Safari again on rehabilitation of traumatic brain injury patients. Okay. Then I will end up by talking brain death. So I'll talk about brain death at the end. Okay. Then we'll switch to another topic. Okay. Okay. Yeah. I'll be talking to Dr. Saeed because he's interested in maybe using this platform, and I'll let you know what's going on. Okay, Dr. Kaboulo and Ahanga. But we'll talk later about that. Okay. It's okay. No problem. Yes. Okay. So yes, I'm going to end this broadcast, and we can stick around and talk, okay? Thank you. Let me just...